flowing in over the water, waiting in anticipation for the action to begin. Baby, I want to hear. Le charme et la splendeur des paysages vallonnés du pays d'Amplepuis, de Tizi, de Cublize, à travers le triathlon du lac des Sapins, appelé le Trisapin. Situé entre Roanne et Lyon, cette belle région accueille pour la première fois ce triathlon. Les organisateurs, Alain de Sablon et Rodolphe Rocher, ont résumé ce challenge par les mots « Tout est possible ». Cette équipe d'organisation a débuté cette manifestation dans un état d'esprit parfait. Et l'esprit Trisapin, c'est rassembler, faire découvrir, initier et promouvoir ce merveilleux sport auprès des sportifs et non sportifs de tout âge. Les maîtres mots de cette fête, convivialité, authenticité, accueil. Ils étaient nombreux à rejoindre le lac des Sapins dimanche 25 mai 1997. Spectateurs, triathlètes, tous sont venus partager la convivialité du Trisapin. La panoplie du parfait triathlète côtoyait l'amateur de sensations fortes et surtout d'efforts. C'est entre l'ombre et le soleil que se révèle la magie du Trisapin. Les triathlètes partiront le matin pour un promotion et l'après-midi pour un courte distance. Après avoir affronté le parcours natation dans le lac des Sapins, à une eau pour certains tiède, la sortie de l'eau précède le changement de tenue pour s'élancer sur les routes. Quel triathlète ne rêve-t-il pas de participer à une longue course cycliste à travers le parfum des conifères, des chants des oiseaux sur les routes de Cublize, Magny, Tel, Saint-Vincent de Reims, du col de la Cambuse à 708 mètres d'altitude. Les athlètes n'auront pas le temps d'apprécier le sable fin de la plage du lac des Sapins, mais ils le verront de près lors de la course à pied. La sécurité, toujours très présente au lac des Sapins, fait partie de l'organigramme de l'organisation. Tous les bénévoles ont répondu bien présents à l'appel d'Alain de Sablon et Rodolphe Rocher, mais ne sont-ils pas là par plaisir? L'histoire du Trisapin a débuté le 25 mai 1997 de la plus belle des manières. Le Trisapin devrait très rapidement devenir une référence en région Rhône-Alpes. Thank you.
through the window with your girlfriends from back home. You're showing off your dress. There's laughter and a toast from your daddy, the prettiest bride he's ever seen. Oh, won't you, baby, be in my book of dreams? Bien sûr, il y avait des bons messages sur la route. Ah, le sablon, le visage, elle était fait ouais. Comment ouais. Alors Christine, comment tout est passé sur le parcours? Super, un super parcours. Cubis, toujours pareil à lui-même, j'avais déjà fait il y a 10 ans. Je recommence aujourd'hui, c'est bien, super. Ouais, un site merveilleux, cotorisation, fléchage, ravitaillement. Oui. Très bien, en plus il n'y avait pas de voiture, parcours agréable. Bonne grimpée, bonne descente, sécurité, enfin tout très bien. Voilà, Alain a bien fait les choses, Alain, parce que je pense qu'il avait fait un programme super, une orientation super également. Oui, il faut qu'il continue sur cette voie, très bien. Ah, très très bien, super, un cadre magnifique, une épreuve très bien organisée, un parcours pas du tout à ma maille, mais, parce que j'aime pas la bosse, mais c'était très très bien. Ouais. Vraiment, pour leur première organisation, un chapeau, quoi. Y'a rien à dire. Je vais leur dire, mais... Bon, allez. C'est bien. On est assez surpris positivement, c'est-à-dire que c'est assez fantastique de,
de recevoir 300 personnes pour une première édition, le jour de la fête des maires et des élections. On ne s'attendait vraiment pas à ça. En plus, c'est une journée magnifique. Donc, tout va pour le mieux. Il n'y a pas eu trop de problèmes ce matin au triathlon promotion. Cet après-midi, il y a 200 personnes sur le triathlon en distance. La gestion de l'épreuve va être un petit peu plus difficile. Mais bon, je pense qu'on va maîtriser ça sans problème. Et puis, le triathlon va acquérir une renommée, je pense, une bonne renommée. Et puis, on veut conserver un état d'esprit. Un goût authentique du triathlon, c'est-à-dire la convivialité, l'accueil, une grille de prix pas élevée du tout, mais toutes les aides financières, tout ça, seraient reversées aux athlètes par la forme d'hébergement, de prix très serrés sur l'inscription, etc. On veut vraiment faire plaisir aux gens et vraiment que ça soit uniquement pour le plaisir. À prendre départ dans quelques instants dans la partie natation. Nous les retrouverons après 1,5 km de courte distance sur un parcours vélo relativement exigeant, puisqu'ils auront 40,5 km à parcourir avec des côtes avoisinant les pourcentages de 12%, des descentes en direction donc bien sûr du lac Les Sapins tout à l'heure pour enchaîner avec la partie course à pied, 10 km avec deux boucles au passage et surtout donc deux côtes qui seront bien entendu là aussi donc les points d'orgue de cette organisation avant de passer la ligne d'arrivée. Nous ferons une remise des récompenses là aussi dans l'esprit de l'Ironman d'Hawaï quand il s'est créé, donc passer la ligne d'arrivée avec tout simplement un collier de fleurs, c'est-à-dire peu de récompenses, mais en tout cas symbolique pour marquer l'organisation 97, première du nom, ici à Kublis.
Thank you.
dur. Oh, dur, hein. Dur. Super, super bien organisé, les routes à vélo c'était impeccable. J'étais toujours accompagné, j'étais en tête en vélo, j'étais toujours accompagné par deux motos, une à gauche, une à droite, ça c'était vraiment bien, quoi. Pas de problème de ce côté-là. J'aime bien venir sur les premières organisations quand on est souvent agréablement surpris, parce qu'on tombe souvent sur des organisateurs très motivés qui mettent vraiment le paquet sur la première année pour partir sur des bonnes bases et avec un bon esprit. Donc avec un parcours vélo qui a vraiment été bien étudié. Je, à mon avis, ce genre de triathlon, c'est un des triathlons de l'avenir. Parce que maintenant, sur un parcours comme ça, il n'y a plus de problème de peloton. Voilà, merci Eric, on te laisse récupérer. Merci Alain, c'est tout droit au cœur de la part d'Eric Pina. Vous l'avez dit, Eric Pina, lourd de triathlon. Les derniers ont franchi une arrivée, pas d'accident, ça c'était important, c'est ce que je fais de plus. Et puis ben, beaucoup d'émotions, pour moi c'est une première. L'avenir, moi je suis quelqu'un d'entêté de toute façon, donc je m'entête, je persiste. Là facilement, j'ai pas de mérite puisque tout le monde est content, donc je peux facilement dire, je signe et je persiste. Mais on persiste et puis on va persister. L'année prochaine, on va faire mieux, sans problème. Line of work, treachery and treason. There's always
simplement remercier tous les candidats qui ont participé à l'épreuve. Ils étaient nombreux, c'est notre première du Trisapin. Féliciter tous les organisateurs, tous ceux qui ont aidé financièrement, matériellement cette opération. Dire que la communauté de communes sera présente derrière, pas forcément pour combler tout ce qui va manquer, mais pour faire l'essentiel quand même, et surtout pour assurer la pérennité de la manifestation. Parce que je crois que ce qui est important, c'est pas qu'il y ait une première, c'est très très bien qu'il y ait une première, mais c'est qu'il y ait une deuxième, une troisième, une quatrième. Et je souhaite simplement que toutes celles et tous ceux qui ont participé à l'épreuve aujourd'hui aient envie de revenir, qu'ils aient été séduits par la qualité du site et par la qualité de l'organisation.